Bonjour à tous et bienvenue sur Geek World. Cette semaine, on s'ouvre la figurine One Piece Glitters and Glamours de Nami version Christmas Style, ou comme je l'appelle, le petit cadeau de fin d'année pour les fans. En bref, vous l'aurez compris, une figurine 100% fan service, mais qui fait pas de mal de temps en temps. Sans plus tarder, on va s'intéresser à la boîte. Donc devant, comme bien souvent, on a une figurine qui est une prize distribuée par Banpresto. La figurine est estampillée One Piece, car il s'agit, comme vous l'avez compris, du personnage de Nami. On a derrière un fond rouge qui rappelle la période de Noël, une petite décoration de Noël, et la figurine de Nami qui est très charmante, on va dire. Sur le côté, une autre photo de la figurine, mais en plus grand. La figurine dévoile un peu plus son potentiel. D'autres décorations de Noël, le nom de la collection Glitters and Glamours. De ce côté, on voit les deux figurines de cette collection, donc l'édition Noël en rouge et l'édition un peu plus sexy qui est en noir. Un autre aperçu de la figurine, toujours une petite décoration de Noël. Derrière, on reste dans la même veine que le reste de la boîte niveau design. Donc le nom de la figurine, le nom de la collection, d'autres petits aperçus très bien choisis même de la figurine, sous différents angles, sous différentes poses. Et au-dessus de la boîte, on reste toujours dans le thème Noël, donc le nom de la figurine, le logo One Piece, le petit logo de la Toei qui indique que le produit est officiel. Et voilà pour ce tour de boîte qui est beaucoup plus original que d'habitude. Allez, c'est parti pour l'unboxing. On tire le morceau de scotch qui est ici, l'autre qui est là. Donc comme d'habitude, on a affaire à une prize. Donc forcément, la figurine est en kit ou en plusieurs parties, comme vous préférez. On peut voir que c'est vraiment une grosse figurine. Donc le socle, le corps qui est là et la tête. La tête qui est d'ailleurs superbement bien réalisée. Donc cette figurine, c'est vraiment 100% du fan service, mais pourtant ça n'a pas été négligé au niveau des détails. Allez, rapide montage. On emboîte la figurine sur le socle. On met la tête. Et voilà, c'est du rapide. La figurine est enfin montée. Pour approfondir un peu ce que je disais lors de l'unboxing, la figurine, malgré qu'elle soit une figurine fan service, est extrêmement bien modélisée. Le visage est juste superbe, les proportions sont justes et la figurine est de grande dimension. Au niveau des couleurs, ça reste assez simple, hein. On a du rouge d'une seule tonalité, d'une seule teinte, quelques dégradés de blanc, blanc-gris pour donner un peu plus de profondeur à la fourrure, et on a quelques plis au niveau de la jupe, des bottes et du bonnet. Donc si on fait le tour rapidement, mis à part que c'est du fan service, ça reste une figurine de vraiment bonne qualité. On a des mèches qui volent librement. Elles sont toutes séparées et elles sont assez aérées. Donc on n'a pas un effet de paquet plastique pour les cheveux, pas un effet casque. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, au niveau de la peinture sur les cheveux, on a un léger dégradé d'orange et quelques ombrages, notamment ici et là et sur les pointes. Sans compter les effets de dynamisme qui ont été ajoutés à la figurine pour donner une illusion de mouvement au niveau des cheveux. Donc voilà, le sculpte est vraiment très joli et la figurine dans l'ensemble est assez harmonieuse et très réussie. Par contre, c'est un peu dommage que la caméra ne rende pas totalement justice à la figurine, car le visage est vraiment très bien réalisé, très bien rendu. Et sur la caméra, on a quelques reflets au niveau du visage, qui donnent un aspect hyper brillant à la figurine, alors que pas du tout. Donc vous l'aurez compris, le sculpte est pour moi irréprochable. Il n'y a absolument rien à dire, les proportions sont bonnes, la modélisation est bonne, les cheveux n'ont pas un effet paquet, là-dessus rien à dire. Par contre, pour la peinture, ça va être une autre histoire. En effet, Banpresto a l'habitude de nous sortir des prizes d'excellente qualité. Il suffit de voir les figurines en ce moment qu'on a pour Dragon Ball ou pour One Piece, où c'est totalement irréprochable niveau rapport qualité-prix. Là, je trouve que sur pas mal d'endroits, la peinture est vraiment irrégulière. On a pas mal de petits défauts de peinture et de débordement. Bon, je vais passer pour un pervers, mais c'est notamment le cas ici. Au niveau des fourrures, on a pas mal de peinture blanche qui déborde sur la peinture rouge, ce qui est dommage. Au niveau du nœud, juste là, on a un effet assez paquet, où il manque même carrément un peu de peinture, ici. Donc là, on voit très clairement que la peinture est assez approximative à ces endroits-là. On a aussi le même problème là, au niveau de la jupe, en bas, où la peinture blanche est assez grossière et déborde pas mal sur la figurine. Derrière, eh ben, c'est à peu près la même histoire. Qu'elle soit au niveau du bonnet, ici, c'est assez approximatif et on déborde encore une fois sur la peinture rouge. Et le pompon du bonnet, qui a un aspect un peu trop paquet avec une grosse trace de jointure qu'on voit ici. Enfin, j'ai envie de dire qu'on parle d'une figurine Banpresto, qui nous l'a montré encore il y a quelques mois, c'est faire des socles hyper originaux. Alors pourquoi nous donner un socle noir en plastique bas de gamme, tout simple, qui casse totalement l'harmonie de la figurine? Pourquoi ne tout simplement pas jouer la carte de Noël jusqu'au bout et nous fournir par exemple un socle enneigé avec un petit socle rond ou carré, avec Nami dans la neige par exemple? Je sais pas, c'est une idée qui aurait été beaucoup plus sympa et qui aurait tout de suite donné une autre dimension à la figurine.
Au niveau de la taille de la figurine, j'en parlais tout à l'heure, mais la figurine est vraiment de grande dimension. Comptez 26 cm sans le socle et presque 27 cm avec le socle. On se rapproche vraiment de la taille d'une mini statuette. A titre de comparaison, la figurine est plus grande qu'une Portrait of Pirate, donc une POP de Nami, mais plus petite qu'une Grandista Resolution of Soldier, comme par exemple celle-ci de Goku. Histoire d'être beaucoup plus pertinent, disons que nous sommes plus proches de l'échelle d'une figurine Master Starpiece classique que d'une Grandista Resolution of Soldier. Donc voilà pour la présentation de cette figurine de Nami spéciale Noël. Pour résumer, on a une figurine fan service certes, mais qui fait plutôt le café, donc les proportions sont bonnes. C'est une figurine de grande taille assez précise au niveau du visage, donc le rendu est excellent. Un joli travail au niveau du sculpte, mais qui est quand même assez approximatif niveau peinture. Ça sera pas la figurine du siècle, certes, mais ça reste tout à fait acceptable. Pour moi, cette figurine est légitime et a tout à fait sa place sur une étagère ou dans une vitrine, à condition bien sûr pour les messieurs que madame soit d'accord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, éventuellement commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Comme d'habitude, je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.